Et voilà parti donc pour ce prix du Cref avec tout de suite Jubilé des Vallons qui s'est emparé du commandement, une longueur et demie d'avance. Maintenant librement alors qu'on vient en seconde position avec I Am The Boss juste devant Les Full Patriot qui est maintenant en troisième position. On vient à l'extérieur également avec Midnight Affair qui n'est pas loin du tout. On est en avant-dernière position avec Isserton Pandora. On ferme la marche du peloton avec Diamonds Forever. Les concurrents qui sont à la mort, celui de tourne en une allure très régulière en tête avec Jubilé des Vallons, Kazakh d'Augustin Madame qui emmène le peloton avec un très léger avantage, bien calé dans son dos. Saltrop Midnight Affair vient maintenant en deuxième position. On est en troisième position à distance avec I Am The Boss, juste devant Les Full Patriot, Isserton Pandora. Et à l'extérieur, on tente de regagner des rangs avec Diamonds Forever, les concurrents qui abordent la phase finale de l'épreuve. Il va leur rester 350 mètres à parcourir. À l'extérieur, on fait bande à part avec Midnight Affair et puis avec Jubilé des Vallons qui a supporté le poids de la course. On a plongé côté corde avec Les Full Patriot, Kazakh Duran Molper avec I Am The Boss, Isserton Pandora et Diamonds Forever. Ils sont maintenant sur toute la largeur de la piste. Ils sont maintenant à 100 mètres du disque final avec Diamonds Forever qui s'est montré patient durant toute l'épreuve et qui va s'imposer très facilement dans cette épreuve. Diamonds Forever s'impose. Isserton Pandora est deuxième. On est troisième avec Les Full Patriot. On est quatrième avec I Am The Boss. On est...